Ça, c'est pas comme tous les ans, hein, Marinette. Et si on divise par deux, 500 macarons, une centaine de tartes, 300 brioches et un petit millier de croissants, ça devrait suffire. Si j'avais pas cette ladybug géante à finir pour ce soir, j'aurais volontiers relevé le défi, mais là, c'est impossible. Je me suis engagée, Marinette. Je ne peux pas décevoir le maire. Et moi, je me suis bien trop engagée auprès de ma classe. Maintenant, je vais tous les décevoir. Il est encore temps de leur dire la vérité. Tes amis comprendront. Mais ça ne sera pas très héroïque. Bien sûr que si. Avoir le courage d'affronter ses erreurs, c'est héroïque. Tu as raison. Si je m'y mets tout de suite, j'ai le temps de les faire moi-même, ces macarons. Monsieur, Adrien souhaiterait savoir s'il peut se rendre à un pique-nique ce soir. Bien, le plan est déjà lancé. Dans très peu de temps, Paris pleurera ses héros. Menteuse, traîtresse, lâche! Pour faire honneur à la merveilleuse Ladybug qui a sauvé mon fils Adrien, qui m'a sauvé moi et qui nous protège sans relâche, j'ai financé ce film qui lui rend hommage. Car Ladybug est la seule véritable héroïne, contrairement aux mauvaises imitations telles que Volpina. Ladybug! Et le film sera diffusé aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision. Vous aviez raison, Nathalie. Tout se déroule à merveille. Noru, transforme-moi! Petit Akuma, et noircis ce cœur qui attend ton retour depuis si longtemps!